Attention à tous les passagers. Ici votre capitaine de bord. Nous nous trouvons à quelques kilomètres de la côte et nous arriverons avec 20 minutes d'avance. La mer est calme, le ciel paisible et la température extérieure s'élève à 22 degrés. Je vous remercie d'avoir navigué avec nous. Je parie que la croisière était géniale et qu'ils ont une tonne d'anecdotes pour nous. Allons bien les retrouver, s'il te plaît. Pour rien au monde, je vous laisse faire rater ça. Allons-y. Ah, on a fait fort cette fois, n'est-ce pas, Sidi? Oh, si seulement tu pouvais nous donner sur nos médailles. Hey, justement, à propos des médailles, regarde-les. Tu crois qu'elles sont vraiment en or? J'espère bien, et quand je prends ma retraite, je pourrai acheter ma propre société. J'en serai la présidente et je pourrai faire tout ce que je veux. J'en serai le chef et elle sera luxueuse et high-tech. Je donnerai les ordres, on ira où je l'aurai décidé. Ce serait génial, comme ça je pourrai faire le tour du monde. C'est ça que tu veux faire, le tour du monde? Oui, évidemment. Ouais, ce serait génial d'être tout le temps à la découverte de nouveaux endroits. Oui, c'est clair. Ces nuages du Nord ne me plaisent guère. Oh non, le mien a l'air dans un sale état. Oui, mais je crois que c'est juste de la poussière de la caisse. J'espère bien. Enfin, ce n'est pas très grave. Le fruit n'en sera pas moins délicieux. Alors là, t'as raison. Bien atterri, c'est notre découverte quand même. Oh non, grand-père! Un bulletin d'urgence météo! On dirait qu'une grosse tempête se prépare. Et nos amis sont toujours en mer! Il faut leur dire de se dépêcher! Attention! Une terrible tempête arrive du nord-est! Oh! Oh non! Pourquoi, que se passe-t-il? Je dois prendre la barre du bateau! Une tempête arrive! On doit se déplacer de 35 degrés vers l'est! Compris, capitaine! Pourquoi on s'est arrêté? Mais je ne sais pas! Le moteur s'est arrêté! Ah, me fais pas ça maintenant! Marche! Je t'en supplie! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh non! Mais ça peut pas démarrer, hein! Mais c'est quoi son problème? Je comprends pas! Qu'est-ce qu'on peut déjà faire? Déjà, garde ton calme! Bon, voyons voir. Je crois que la batterie est à plat. Voyons voir. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, par là! Qu'est-ce que c'est? Regarde! Je crois que le sel a érodé la connexion de la batterie. C'est ça le problème. Oh, tu es un génie! J'ai toujours dit qu'en cas de problème, on peut toujours compter sur Ronnie. Merci, Ronnie. Et Sidi, c'est moi qui lui ai fait remarquer le problème. Le capitaine a tout sous contrôle. Et voilà. Vous m'entendez? Oh, la batterie est
dommage, les gars. Vous avez fait ce que vous pouviez. Cindy, réveille-toi! Debout! On est sauvés! On est sur l'île! Tu vas bien, Omar? Debout! Ton courage a fini par payer! On est sur la terre ferme! Alors mon bateau, alors? Je ne peux pas croire qu'on a fini par couler! Quel périple! Que va-t-il nous arriver? Est-ce qu'ils pourront nous trouver? Je vois un hélicoptère! Hourra! On est sauvés! Qu'est-ce qu'il dit? Cindy! Omar! Un hélicoptère! On est sauvés! On est sauvés! Par ici! On est sur l'île! Vous nous entendez? On a perdu la batterie! Elle a dû tomber dans l'eau! C'est horrible! Si vous ne voyez pas, nous voilà! Par se calmer, mais aucune idée d'où il pourrait être. Pourquoi ne répond-il pas à leur radio? Ils se sont peut-être retrouvés sur l'île. Je suis sûr qu'ils vont bientôt nous contacter. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils vont bien. Cindy, et si on attachait les bouées de sauvetage pour s'en servir de bateau? Ça pourrait marcher. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu n'aimes jamais mes idées, hein? Mais c'est pas grave, je vais le faire tout seul. Oh, mes médailles! Dommage qu'elles ne puissent pas servir maintenant qu'on est coincé. Cindy! Hey, tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais ça sert à quoi tout ça? Ça servirait justement à quelque chose si tu venais m'aider au lieu de tout le temps critiquer. Allez, réfléchis. Je sais qu'on peut faire une batterie à partir de... Je crois zinc, d'eau salée, de cuivre... Et oui, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, voilà. Ron? Oh, aucune idée. Pourquoi a-t-il pris la bouilloire? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Faire du thé? Peut-être qu'il a un plan, regarde! Il la coupe en morceaux! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Que fais-tu, Ronnie? C'est très simple. On a tout ce qu'il faut pour faire une batterie de base. Il suffit de zinc, de cuivre et d'eau salée. Ajoute-y un peu de patience et on aura une batterie en un rien de temps. Est-ce une batterie, ce truc? Hein? J'y crois pas, ça marche! Ron, t'es le meilleur! Oh, t'as été génial, Ron! Garde-côte, ou quelqu'un d'autre, vous me recevez? Nous sommes coincés! Nous sommes sur l'île Rose! Vous m'entendez? On est sur l'île Rose! Amis,
très vite. Oh, t'as été génial, Ron. Ce n'est rien. Une fois que je me suis rappelé la formule, c'était facile. Ron, tu es trop modeste, comme d'habitude. Sans toi, on n'aurait peut-être jamais pu s'en sortir. On te doit bien ça. Peut-être que si t'avais conduit mon bateau, on aurait eu plus de chance. Bien sûr, t'as raison, Ron. Il y a eu un problème. Super idée. Ce fut une super expérience, après tout. On apprend toujours de mauvaises expériences. J'ai appris qu'on avait un super capitaine à bord. Et moi, que tout le monde peut apporter quelque chose de spécial.